Le prochain défi va vous demander de corroborer les indices de l'évasion de Midas avec Marie d'Or. Donc pour réaliser ce défi, vous avez 5 emplacements possibles. Le premier emplacement, c'est ici, juste à côté de Renkless Highway. À cet emplacement-là, il y a un indice. Un autre indice se trouve au Mont Olympe, donc juste ici. Ensuite, il y a encore un autre indice qui se trouve à côté de Snoopystead, juste ici dans ce bâtiment. Le quatrième indice se trouve en dessous de Pleasant Park, juste ici. Et le dernier indice se trouve aux Enfers, donc tout à gauche, juste ici. En fait, j'ai l'impression que c'est tout simplement les sources d'eau bénite, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui vous permettent de trouver les indices en fait avec Marie d'Or. Donc oui, effectivement, c'est bien ce que je pensais, c'est ce genre de truc-là, les bassins divinatoires qui vous permettent de trouver des indices. Donc on va tout simplement interagir avec, continuer la conversation, et quand vous aurez terminé, il nous pose une question. On dirait que les chaînes d'Hadès ont la capacité d'annuler son toucher d'or, mais comment s'est-il évadé? Alors, la première solution, il s'est évadé en passant par un tunnel caché? Non. Il est sorti en traversant une faille? Non. Et un garde a libéré l'une de ses mains? Oui, ça doit être ça. Parce que la porte qu'il a cassée, elle est en or. Tout ce qui est dans la prison est en or. Donc, quelqu'un a libéré une de ses mains, c'est sûr, c'est ça. Donc là, je sélectionne. Je fais continuer. Ah, il me pose une autre question. Donc, intéressant. Et ensuite, que s'est-il passé? Donc là, il a utilisé sa main libre pour transformer l'autre entraille en or. Oui, ok, c'est possible. Il a réussi à libérer son autre main des entraves. Ok. Vous l'avez aidé à s'évader. Ouais, je l'ai aidé à s'évader. En fait, c'est ça, non? Non, je rigole. Je pense que c'est la première solution. La première proposition. Il a réussi à libérer son autre main des entraves. Moi, je pense qu'il a réussi, il a utilisé sa main libre pour transformer l'autre entrave en or. Donc, on va tester. Donc, apparemment, oui, c'est ça. Ensuite, la troisième question est, quelle a été la dernière étape de son évasion? Donc, Zeus lui a ouvert la porte, bien entendu. Il s'est transformé en chauve-souris, évidemment. Et il a forcé la porte de la cellule. Il a forcé la porte de la cellule. C'est ça la bonne réponse, c'est sûr et certain. Et voilà, en effet, il a touché la porte de la cellule pour ramollir le verrou, puis la forcer. Donc voilà pour la petite quête assez sympathique. Moi, j'aime bien ce genre de quête, de défi, où il nous pose des questions, où il nous demande la réponse. Donc ça, c'est assez chouette. Donc voilà, dès que vous aurez réussi à répondre à toutes les questions, ben là, vous aurez terminé le défi.